journaliste Cathy, elle m'a dit que on va faire un reportage. On aimerait bien faire un reportage chez vous. Le but du reportage, c'est pour faire voir aux gens que le cité, ce n'est pas ce que les gens y pensent. En vrai, le sujet à la base, c'était quoi? C'était les gens dans les cités. C'était genre, je sais pas, ils allaient nous poser plein de questions sur les gens. C'est pas parce que tu habites dans une cité que tu vas pas t'en sortir. Tu vois, en vrai, c'était ça le truc, tu vois. Je savais pas que ça allait parler de Swan, ni de que le titre, ça allait s'appeler La Cité du Mal. J'aurais jamais signé sinon pour ça. Juste le titre, il fait peur. La Cité du Mal. La journaliste Cathy et la personne qui filmait, là, ils étaient à trois. Mais Nabila, à chaque fois, elle était de l'écart du côté. J'avais remarqué, il y avait un truc qui se passait un peu bizarre. Bon, moi, ça ne me regardait pas. Et ils m'obligeaient à chaque fois de sortir pour qu'on laisse Okito calme, tranquille, pour qu'il s'exprime, tranquille, pour qu'ils parlent bien, tout. Donc, pour qu'ils font les reportages tranquilles. Donc, j'étais obligée de sortir. J'étais dehors. Et quand je suis à la maison, et ils partent dehors pour faire l'enregistrement. Elle avait l'air gentille, la journaliste, la Cathy. J'avais confiance. Des fois, même, je le servais même à boire ici, du thé, j'avais confiance. On m'a dit, exprime-toi, ça sert à rien de faire le francophone. C'est pour montrer que des fois catalogué, si tu parles trop, trop poliment, ça va pas marcher, ça va pas le faire. Ils ont abusé de ma famille, ils ont abusé de mes enfants, ils ont utilisé mon fils pour dire n'importe quoi dans sa bouche. Cathy Sanchez, elle a vu que mon frère il était naïf, donc elle a joué avec lui. Elle a joué sur ça, Cathy Sanchez. Tout le monde se renflamme devant la caméra, des gens de mon âge ou très là, je sais pas, devant la caméra. Bien sûr que je vais m'enflammer si je, on me dit ouais, je passe à la télé et tout. Mais là, quand je vois ce qui s'est passé, j'ai même pas envie de voir une caméra. Elle te parle avec toi, à l'aise. C'est vraiment. Elle te met à l'aise. Donc toi, tu parles, tu rigoles, rien. C'est-à-dire que sur deux, trois petites conneries que tu vas dire, elle va te les retenir. Dans ce moment-là, j'ai l'impression qu'on m'a violé, qu'on m'a berné, qu'on m'a eu, quoi. Dans l'histoire, je me fais passer par un guédin parce qu'il y avait une bonne ambiance dans l'histoire. Dans l'histoire, il y avait une bonne ambiance. Et j'ai parlé tout seul. Tu t'es laissé aller? Ouais, je me suis laissé aller. Mais j'avais très bien dit que j'ai pas envie que ça soit. Que j'ai envie qu'ils enlèvent ça sur la cassette. Ils m'ont dit, mais non, mais t'inquiète pas, ça va pas passer. De toute façon, fais nous confiance pour que vous soyez moins catégorie. Sinon, on serait pas là. C'est elle qui me disait, ouais, t'inquiète, ça va pas être filmé. T'inquiète, cette scène-là va pas être filmée. Là, ça reste entre moi et toi. On parle comme si on parle tous les jours. Nanana, et en fin de compte, eux, ils étaient en train de filmer. Dans le reportage, là, on me voit dire, répondre à la question, est-ce qu'une femme mérite d'être battue? On me voit dire franchement oui. Alors que la question qu'elle nous a posée, Cathy Sanchez, c'était pas du tout ça. Ça parlait en majorité de Swan. Alors que nous, à aucun moment, on a parlé de Swan. On n'a même pas évoqué son nom, à aucun moment. Et voilà, donc à un moment, ça dit, lorsqu'on aborde le sujet de Swan, et puis ça dit ce que je disais moi après, qui n'avait rien à voir, enfin que je ne parlais pas du tout de Swan. J'ai pas été manipulé, c'est des disquettes. En fait, c'est des disquettes, c'est pas une manipulation. Pas une manipulation. Gros, on a utilisé des propos. C'est dans pas ma, voilà. C'est pas ma, en fait, c'est pas ma manipulation. C'est que des disquettes. Ça veut dire quoi? C'est que ils m'ont blagué la gueule. Ils m'ont dit ouais, nanani, ça va pas être filmé, ça va pas passer, ça va pas passer, ça va pas passer, alors qu'au final, c'est passé. C'est tout. Avant que le reportage passe le 29 septembre, le producteur des Arte, il m'a appelé. Il m'a dit, madame, pourquoi vous ne voulez pas que ça passe, ce reportage? Je lui ai dit que moi, je ne vais pas voir ma tête dans la télé, ni même la tête de mes enfants, parce que c'est de n'importe quoi. Quand j'ai ouvert ma porte, j'avais ouvert ma porte pour parler des choses bien. Je n'avais pas ouvert ma porte pour que des choses mauvaises passent à la télé, pour que je sois humiliée, pour qu'ils mettent mon fils chef de gang. Pour qu'ils me mettent comme une famille musulmane, pour qu'ils me mettent comme une famille sénégalaise. J'ai dit à cette journaliste-là que je ne veux pas que ça passe à la télé. Non, j'ai dit au responsable de Arte. À la base, je suis chrétien et on m'a fait passer par un musulman. Juste parce qu'à la base, dans le film, ils veulent attaquer, je ne sais pas, les musulmans, je ne sais pas ce qu'ils ont contre eux. Cathy Sanchez, elle m'a vu deux fois. Elle m'a posé des questions. Mon âge, mon nom, mon prénom. Qu'est-ce que je faisais de ma vie?
Je lui disais que je travaille depuis 2005. Et dans le reportage, on voit qu'elle dit que je me lève pas avant midi, que je tourne dans le quartier comme la police de proximité. On dit que je vis de petits trafics et je fais un de mes journées, alors que c'est pas vrai, je travaille. Quand ils m'ont fait signer le papier comme quoi que ça serait en titre gratuit, c'était pas marqué en tête que c'était la cité du mal. Si c'était marqué en tête que c'était la cité du mal, j'allais pas faire cet enregistrement là, franchement. Parce que moi je suis là, je suis bien dans mon cité. Ça, c'est que plus personne croit aux médias. Là, la plupart des gens qui ont été filmés dans le reportage, ils ne veulent plus passer devant la caméra. Ils ont peur de se faire rouler encore. Après, moi, je me suis dit, voilà, pour faire éclater la vérité, je me suis dit, voilà, on va se refaire ce reportage.